Acclamons notre gloire pour bon service de louange et d'adoration qui est dirigé par notre bien-aimé frère Salomon. Combien de te bénis, Matin? Qui nous a montré qu'à passer avec l'adoration dans notre niveau, les musiciens, qui font bon travail, à nous qu'aimer dans la prière. Amen. Vous-même qui toujours priez pendant toute semaine là, pour bon Dieu. Onction, mon Dieu, agis parmi nous. Ça, c'est fruit de la prière qu'on fait matin. La paix avec. Et donc, il vient un moment pour la prêcher le message de la parole de Dieu. Pour rejoindre dans Matthieu, chapitre 16, verset 19. Un seul verset. Vous verrez avec. Matthieu, chapitre 16, verset 19. Gloire à Dieu. Matthieu, chapitre 16, verset 19. À la gloire de Dieu. Nous les consacrons pour vous. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Que bon Dieu, Naamoli, capable de bénir pour ce écriture, ça, pour l'édification commune de nos âmes. Jésus était dans le territoire de Césarée de Philippe. Il a commencé à parler avec ses disciples. Et c'est à la suite de questions qu'il a posées qui est celui que moi y ai. Et Pierre a joint la révélation que c'est le Fils, le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et il était enchaîné avec une telle félicitation pour le dédier à Pierre. Que parole saillot, c'est parole qui sortit en l'air. Et, as a result, il te promet que le royaume des cieux, il n'est pas caché, il n'est pas kébélé, mais il va avoir accès à disciples qui t'a suivi. Alors, clé, c'est synonyme de accès. La clé du royaume. Jésus, en même occasion, il t'a dit que royaume né pas sous terre ça. Il a été devant Pilate dans Matthieu chapitre 27 lorsque Dieu t'a accusé de tous les maux de la terre et il n'a pas dit rien. Nous voyons que Pilate a dit est-ce qu'on ne connaît que moi j'ai un pouvoir pour moi libérer ou bien pour moi relâcher. Il te dit, royaume moi, pas sous terre ça. Qui bon royaume moi, royaume moi, c'est dans le ciel là que lui. Alléluia. Il te dit, si royaume moi t'es sous terre ça, moi t'as seulement dit à Zonjo, levez-y de Dieu. Et nous t'avons combien de monde qui t'a fait une bataille pour moi. Mais puisque, voyons, moi, c'est dans le ciel là que Dieu. Nous m'avons fait ça, nous voulons ensemble. Alors, pour qu'on royaume, c'est que force est roi. Ça, c'est preuve que nous dit Jésus-Christ est roi. Jésus n'a pas servi à l'Isée. Roi. Et il n'est pas un simple roi. Il c'est le roi des rois. Il c'est roi qui, au-dessus de tout roi, il c'est Seigneur qui, au-dessus de tout Seigneur. Et là, la parole va avec Pierre, il dit bon, va bas-haut, clé, royaume.
Clé, c'est le symbole pouvoir. Dis avec pouvoir. Vous savez ça? Lorsque vous gagnez une clé, une machine, vous sentez que vous gagnez un pouvoir, vous gagnez accès, vous gagnez autorité pour aller au moins entrer dans la machine, pour starter et puis vous déraper en ce moment. Mais les jours que vous parlez de clé, ça, les jours que vous perdez de clé, ça, les jours que vous prenez de clé, ça, non, mais vous sentez que vous parlez laisse. Vous sentez que vous n'avez aucun accès à la machine. Ça. C'est là que vous avez ça. Vous pouvez vous dire que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Si vous avez dit une association, vous avez demandé dans l'office. Parce que ici, même si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avec couteau. Pour couvrir votre là. Mon qui va connaître, il va dire, monsieur a fait un cambriolage. Parce que monsieur n'a pas accès là. Moi, monsieur, je suis avec Matou là, moi là. Enfoncé mon pote pour l'avenir. Si vous faites venir dans un jardin, là, qui connaît, qui se met là, ou car la police, envahis-vous. Tout simplement parce que vous n'avez pas gagné. Et clair, c'est bon, vous avez gagné, non? Pas avoir avec Kaila, pas avoir avec machine là. Donc tu vas aller tout petit, oui. Mais c'est lui-même qui a accès à gros Kaila. Est-ce qu'on comprend ça? Jésus-Christ dit que royaume bon Dieu. L'élevé noir de Pierre, il y a une révélation ciel là. Il dit, je ne vais pas rien m'a préservé pour encore. Et il dit, lorsque vous pouvez gagner accès avec le royaume de Dieu, ça que vous déliez, sous ça, il va délier dans le ciel. Et ça que vous marrez sous terre, il va marrer dans le ciel. Son expression qui dit que vous venez en connexion directe ensemble avec le ciel. Côté que l'on parlait, le ciel tendait. L'on priait, le ciel exécutait sa cordia. Parce qu'on a une relation directe avec mon Dieu. Nous sommes dans Jean 15. Jésus t'a déjà dit, là où était ou connecté en ce moment, n'a pas rien commandé qu'elle va pas. Parce que là, ça va connaître le cœur de Dieu, va connaître volonté de Dieu, va demander de Dieu des bagailles qui en relation avec ça le voulait pour. Parce qu'on va attacher ensemble avec. Mais c'est ça qui fait nous comprendre que c'est ce que clé du royaume, c'est quoi? Nous voyons que royaume, non? Royaume bon Dieu, gagnez pour le venir sur la terre, et nous gagnons nous-mêmes également pour nous aller vivre avec Christ. Et l'idée est que l'a bâti l'église. Changez que nous prenons dans verset 19. Mais dans verset 18, il est dit, je bâtirai mon église. C'est l'idée sacrée là avant. Et puis, quand il y a dit en bas, ma baou accède à un clé royaume. Qui veut dire, l'elfine établit nous comme l'église. Faut l'établir comme l'église. Il faut donc le royaume. Comprends-tu? Processus. L'elfine établit nous comme l'église. Est-ce que c'est l'église Jésus-Christ? Amen. Ça, c'est verset 18 là. Et puis, quand il établit nous comme l'église, laisse-le faire qu'il s'en va au clé. Tu vois. Premier aspect qui gagne la donnée, le royaume, c'est le fait que vous gagnez autorisation, vous gagnez capacité pour prêcher l'évangile à l'autre monde qui a péri pour mener dans le royaume de Dieu. Mais, vrai sens, verset ça, les où tes monde perdu, où tu es un pécheur, ou même personnellement, ou pas
gagner le salut. Voilà que Christ vient d'établir comme une église, il vient d'établir comme disciple, comme serviteur, comme apôtre. Non seulement il vient d'avoir le salut, maintenant il y a autorisation pour ouvrir porte ciel là pour l'autre monde. Est-ce que vous comprenez ça, Martin? C'est ça qui est arrivé. C'est par où il y a un moyen pour ouvrir porte ciel là pour l'autre monde. Ça, c'est une grosse responsabilité. Ça, c'est une grosse affaire. Non seulement vous-même, vous avez accès dans le royaume, mais vous êtes capable de prêcher l'autre monde la parole, bayo chemin pour joindre le salut. Est-ce qu'on est dans le niveau ça déjà? Parce qu'on a parlé de deux niveaux là. Niveau que vous-même vous déjà gagné le salut. Vous-même vous déjà gagné accès à la là. Écoutez là, on va inviter l'autre monde à venir en fait là. Qui ça nous est qui vient arriver? Pierre recevoir promesse là. Pierre pour le baptiser du Saint-Esprit. Dans Acte 2, verset 1 à 4. Et il prend le gagner puissance et capacité pour prêcher l'évangile. Et des milliers de monde. 120 monde pour le recevoir. 3000 monde pour le recevoir la parole. Ça veut dire que l'Église ouvre la porte, ciel-là, qui ouvre la porte, royaume bon Dieu, à Mounsayo, pour eux-mêmes, pour eux capables d'entrer. Même j'avais. Et c'est ça que nous voulons comprendre maintenant. Vous pouvez lire vous avec moi dans Actes chapitre 2, verset 38 et 39. Il était ouvert pour le royaume avec les Juifs, qui étaient encore incrédules, qui attendaient parole là depuis longtemps, mais qui étaient arrivés crucifier Jésus et qui te dit c'est pour ça qu'il est tombé sur moi. Mais nous, quelques Juifs qui veulent d'accord pour entrer dans le royaume de Dieu. Acte 2. Verset 38. Ça, c'est pour les Juifs. Acte 2, verset 38. Vous voulez pas savoir. Pierre lui dit, Pierre leur dit. Alors, début dans verset 37, la Bible dit non. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils représentaient les Juifs qui étaient là, qui attendaient. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Pierre répondit et dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le salut de vos péchés, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Parce que Pierre lui-même t'a déjà recevé le don du Saint-Esprit. Il dit, si vous repartez, si vous baillez cœur à Jésus, vous êtes capable de jouer le pardon et vous êtes capable de recevoir le don du Saint-Esprit. Et verset 39 va dire, car la promesse est pour vous. Vous pouvez répondre ça avec, la promesse est pour vous. Pour vos enfants. Et pour tous ceux qui auront aimé son arène. Alors, il fait monter, ok, promesse là. Les pour vous-même, les pour petit tout, les pour tout ça de loin, qui sont au loin, et aussi grand nombre, le Seigneur notre Dieu les appellera. Ça prouve même que, lorsque Jésus a parlé à soi avec Pierre, dans Matthieu chapitre 16, verset 19, il te dit directement ça avec Pierre, mais il te dit pour tout le monde qui croit dans lui. La même chose à Romain. Et puisque il dit là avec un monde, parce qu'il faut que un monde qui te répond, et c'est Pierre qui te répond, donc lui, paye, promesse là, directement avec Pierre, mais il est pour tout le monde qui croit, même avec Pierre. Il y a un monde qui veut faire comprendre que Pierre est un clé, parce que quand il était mal en clé, il y a des religions même qui même montrent Pierre avec un gros clé, c'est Pierre qui ouvre pour toi. Ouah! Nous te montrer que
Réponds-tu et dit avec Adam. La paix avec. C'est pas bien. Réponds-tu et dit avec Adam. Nous sommes donc toujours une question dans l'école dominicale. Bon Dieu dit ça à Adam que les jours que lui-même lui fait pécher la mouille. Et puis, ouais, tout héritage de lui vient subir en même temps. Faut que bon Dieu dit lui à qui on y a mou. Jésus-Christ par instruction à qui est-ce qu'il va dire à qui on a qui on moune. Mais nous parlons que instruction, ça n'est pas le passé de génération en génération. Et ceci de la parler à soi avec Pierre. Il était déjà parlé à soi avec les disciples. Et parce que nous, le royaume, ça, que Pierre est capable de prêcher de lui-même et pour nous capable de venir convertir, nous, on est capable la grande commission à tout le monde. Il n'est pas la grande commission à Pierre seulement. D'après Matthieu, chapitre 28, dernier verset à qui ça dit tout. Allez faire de toutes les nations des disciples. Allez avec nous. Allez faire de toutes les nations des disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur. Il te dit, tout le monde est la paix avec Pierre, l'Iba avec l'autre, la paix avec. Soit avec toi. Non, il te dit, la paix soit avec. Vous. Et la Bible pourrait dire que l'Ibadio souffle sous Pierre, puisque c'est un débat éclair. Il souffle sous. Non. Il dit il souffle sous tout le monde. C'est le monde qui n'est pas Dieu. Et dans le jour de la Pentecôte, il souffle sous combien de monde? Sous tout le monde qui était là. Et depuis là, ça, tout le monde a un clair dans la main. Est-ce qu'on a un clair dans le monde matin? Alléluia. Non seulement Pierre t'a ouvert, pas le royaume, non, à Jufio, dans Acte 2, verset 38-39, mais t'a ouvert à Gentil. Gentil, c'est le monde qui pas juif. Parce que même Jésus t'a dit, moi, vini d'abord pour le monde, pas mieux, d'après Jean 1er 11, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux, dis avec moi à tous ceux. Quand il y a une nouvelle à tout le monde, Pierre va le prêcher également, royaume là, aux gentils. En garder avec Acte 10, verset 34. Acte 10, verset 34, à la gloire de Dieu. Il va le prêcher aux gentils la parole. Acte 10, verset 34. Chapitre 10, verset 34. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi. Alors Pierre ouvre la bouche et dit, en vérité, je connais que Dieu ne fait point exception de personne. Est-ce que tu as dit ça matin? N'après dit pour encore. Pierre a dit, Dieu ne fait point exception de personne. Avec voile lactée déchirée, avant, femme samaritaine m'a dit, je ne connais pas une relation avec vous-même et moi-même. Femme cananéenne, Jésus te dit, est-ce que vous trouvez pour me prendre bénédiction, Timonio, pour me bâtir à chien? Parce que tu as gagné, avant la crucifixion, tu as gagné une voile qui t'a séparé quelque monde avec le ciel. Mais à partir du jour que Dieu te tente de déchirer, bon Dieu va accès à tout le monde qui est dans le matin. Nous avons une vraie responsabilité. Ou même qui chita, l'église, qui fait profession de foi. Bon Dieu va où il y a autorité. Et première responsabilité, c'est de dire à l'ordre que Jésus-Christ a retourné. Qui t'a vu, premièrement, dit à Mounsa que on a Christ. Parce que la Bible dit moi, il faut gagner pour bail. Est-ce que vous entendez ça? Il faut gagner pour bail.
pas vivre en façon pour que mon qui si yo dit pour faire charade that's fine mais puis quand rejoindre pour dire pour jamais moi inter la vie moi pas faire l'évangile yo pas toujours dit pour faire excuse mais faire la vie capable yon témoignage faire la vie capable yon message prêcher l'évangile à l'autre. Parce que clé ça pour gagner c'est mener l'autre monde dans le royaume. Est-ce que nous entendez ça matin? Ni pas de clé pour retirer monde dans le royaume pour éloigner le royaume. Clé c'est moyen pour ouvrir porte pour mon entrée. Pas encore qu'il y a clé pour fermer porte là. Mais clé ça pour papa pour fermer porte là sous monde. Il va ouvrir pour ouvrir porte pour mon entrée dans le ciel là. Parce que si Jésus peut retourner, nous attendons, c'est parce que il y a un monde qui peut attendre, qui peut recevoir, qui peut accepter, qui peut accepter le Seigneur à la patience. Dans la semaine qui se passe, est-ce que vous avez prêché l'évangile à vous? Ah, parce que vous connaissez busy, vous avez busy. Ce ne sont pas des gens qui sont busy, même pas nous baptisons. Ah, parce que. Mais. Là où il est dans celle-là, on va dire Jésus, où on est busy. Même Jean a été dit ensemble avec mon état reproché. Mais ça, on est de faire pour moi, ou pas de faire pour moi. Parce que c'est vous-même qui vous faites, vous-même qui gagnez avec le roi dans le moment. Première question, demandez-vous, est-ce que c'est l'église de Jésus-Christ? On dit oui. Deuxièmement, sous l'église de Jésus-Christ, le film parle de 9, verset 18, qu'on a dit moi, par où? Clé pour faire mon entrée. Non, ah, parce que je ne vais pas comprendre tout ça, Adam. Clé, non, parce que je vais dire, ah, les bons pouvoirs, depuis que je me dis pour fiel, méchant, pété, c'est pour le pété. Oui, je ça, tout. Parce qu'elle dit, tout ça dit sous terre, l'éternel est capable de faire dans celle-là. Tout ça, au mari, le Seigneur est capable de faire. Ça, c'est privilège. La paix, la paix. Je vais dire, non, Luc, je n'ai pas le pouvoir pour marcher sous le lionceau. Je n'ai pas le pouvoir pour marcher sous la spine. Et rien pas à dire. Ça fait partie des créatures. Dans Luc 10, verset 19 et 20, il va dire, lorsque vous êtes l'Église, lorsque vous êtes serviteur de Dieu, lorsque vous êtes servant de Dieu, il va au clé pour faire. Il va au clé pour ouvrir. Parole que vous avez répétée. Il y a un pouvoir. C'est ça, falloir prier, c'est pourquoi sortir. Si elle l'attendait et si elle n'a pas agi. Ouvrez ce Jésus pour nous le matin. La paix à l'heure. Même Jean-Smart, Thomas, dit, nous disons que Jésus est passé.